Il va soutenir donc le régime impérial, il va être élu sénateur et voter seul contre la guerre. Il va prendre un virage libéral assez minoritaire. Il était déjà, on a vu, un producteur du libéralisme, en particulier dans ses fameux traités de commerce, mais disons qu'il va se trouver dans une position assez minoritaire à ce moment-là. Il s'entend avec Cobden sur un projet de traité de commerce dont je viens de parler, qui emporte l'adhésion de l'empereur finalement, et qui sera signé en janvier, date de mon anniversaire, 23 janvier 1860. Mais très vite, il se heurte à une réaction à la fois protectionniste et anti-autoritaire. Il est enrôlé par le Play pour l'organisation des expositions internationales de 62 et 67, et ils marieront aussi leurs enfants. Donc vous voyez que toutes ces choses sont assez familiales aussi. En 1870, il retrouvera son poste au Collège de France, son image dans la Société des économistes, et sera conforté, et il sera déployé par son gendre, Paul Leroy-Beaulieu, encore une histoire de famille. Et il préside la CSP, donc dans les 9 premières années de 1860 à 68. Toujours sur les fondateurs, le second fondateur relativement important est Louis Wolowski, donc je vais détailler un tout petit peu moins, d'origine polonaise. Il a servi comme capitaine dans l'armée polonaise, il va être condamné à mort à la chute de Varsovie en 1831, donc c'est quelqu'un qui vit dangereusement. Réfugié en France puis naturalisé en 1934, il a une carrière exemplaire d'avocat, de professeur de législation industrielle au CNAM en particulier, président du conseil de perfectionnement au CNAM aussi. Sa carrière politique commence en 1848. Adversaire de Louis Blanc, il se fait élire à l'Assemblée constituante, il s'oppose au coup d'État, il reprend ses cours au conservatoire, dont il deviendra titulaire de la fameuse chaire d'économie politique en 1864. Alors, il est quand même le fondateur du Crédit foncier, il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques aussi, au fauteuil de Blanqui, et il est de nouveau réélu député puis sénateur. Son gendre est Émile Levasseur. Troisième personnage, beaucoup plus mystérieux, j'ai foncé sur les deux premiers, beaucoup plus mystérieux, vous voyez premièrement aucune photo de lui sur Internet, sa postérité n'arrive pas à lui rendre hommage de ce côté-là, du moins mes recherches ont abouti à un échec, donc si l'un d'entre vous a une photo de Leveuil, je serais tout à fait intéressé. Deuxièmement, il n'est pas polytechnicien, il n'est pas économiste, il est juriste, diplômé en droit, il est d'abord chef de bureau de l'État civil au ministère de l'Intérieur. En 51, il succède à Moreau de Jonnès à la tête de la Statistique Générale de la France, qui à ce moment-là est attaché au ministère du Commerce. Il participe au premier congrès de 1953, les congrès de Quetelet, et il en revient avec l'intention d'appliquer les recommandations de Quetelet, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il a publié beaucoup, La France statistique, Le livre des chemins de fer, La Suisse, un essai sur la vitalité de la race juive, qui s'appuie sur les thèses de Hofacker-Sadler, d'un effet d'écart d'âge des parents sur le sexe ratio à la naissance, tout ça a été rediscuté par Éric Briand il y a peu de temps, et aussi Le suicide ancien et moderne, qui est un ouvrage qu'on trouve toujours sur Internet. Sa bibliographie dans la EJSSP est une des plus longues, y compris après sa retraite. Quand est-ce qu'il est mort, on ne sait pas bien. L'article statistique, Gallical fait mourir en 69, Wikipédia en 88, et la plupart des auteurs en 85, donc vous choisirez ce que vous préférez. Pas un mot cependant dans les notices, aussi bien chez Marietti que même chez Béatrice Touchelet qui est ici, sur les raisons de sa disgrâce qui pourrait... qui a provoqué ce qu'on a appelé sa mise à la retraite prématurément. En fait, la seule trace que je voudrais répondre, c'est dans la thèse de Kang en 1889, dont on reparlera, à savoir que Le Goic fut condamné en 1874 à un an de prison pour escroquerie et exclu de la Légion d'honneur. À part ça, il a continué à travailler et il a quitté la SSP, effectivement, qui a provoqué une crise, on en reparlera, mais il a été la véritable cheville ouvrière de la première décennie de la SSP. Voilà, alors sur l'historiographie de la SSP, on ne va pas reprendre le détail non plus, mais mon objectif était reprendre les différents textes qui ont écrit vraiment sur la SSP et de vous faire part de ce qu'il y avait dedans, parce que personne ne va lire toute cette littérature qui n'est pas toujours enthousiasmante, mais qui a quand même un intérêt dans notre cas. Donc les principaux papiers en question sont celui de Fernand Faure en 1909, j'en parlerai peu puisque nous avons un exposé juste après moi là-dessus d'Antoine de Falguerolles. Ensuite, on a donc, chaque fois il s'agit d'un anniversaire de la SSP, donc Pierre Depoix en 1961, Damiani dans les années 87, 88, 89, la thèse de Kang en 1989, un article de Rosenfeld en 1997 au moment de l'IIS à Istanbul, et enfin un article de Drosbeck en 2005. Je crois que les articles purement SSP sont à peu près limités à ce corpus. Mais on a évidemment d'autres textes qui nous éclairent sur la SSP. Je voudrais signaler évidemment l'histoire de la SGF qui
de Marietti, les travaux de Livius Weber, et en particulier un texte qui est centré sur la SSP, et surtout un texte de Tionnet peu connu de 1976 où il dit peu de choses, mais il compare les sociétés statistiques américaines et européennes, et un travail de Béatrice Touchelet qui peut être présent. Je n'ai plus comment je l'ai appelé, Schweber, c'est Libby, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est Libby Schweber. Voilà, bon. Alors ensuite, la vie de la société, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, autrement dit, au niveau de la société, comme événement important. Là, premièrement, les précurseurs, je n'en parlerai pas parce que je crois que tu vas en parler tout à l'heure, mais il y a eu 4 sociétés qui ont précédé la SSP avant donc 1860. Elles n'ont pas eu, sauf peut-être la statistique française de statistique universelle, la Société française de statistique universelle, qui est relativement bien connue, les autres le sont beaucoup moins, sauf par les Marseillais, je suppose que la Société statistique de Marseille est légèrement connue quand même là-bas. Comment ? C'est Barbu qui en a été un des derniers mois. Voilà. Alors, tu en parleras tout à l'heure, donc je ne m'étends pas là-dessus. La fondation, eh bien, ce qui est assez intéressant dans cette société, comme on l'a dit, c'est les nombreuses composantes qui l'ont formée. Bien sûr, il y a les économistes libéraux, on l'a vu, on a parlé de Chevalier tout à l'heure, et donc, qui venait de signer des traités, c'est quand même très précis. En janvier, il signe son traité commercial, et en mai, donc, on voit, ils font de la SSP. Il y a donc un lien quand même assez direct. Quel était son intérêt quel était l'intérêt même de lui, pas seulement, mais des économistes, de créer une telle... Eh bien, c'est évidemment d'avoir un appui sur son action qui n'est pas forcément majoritaire. Donc, il cherche un appui, et cette société de statistiques va lui fournir un appui. Ça, c'est pour les économistes libéraux. Les administrateurs de la SGF, quand on sait le nombre de personnes qui travaillent à la SGF, c'est une toute petite structure à cette époque-là, quelques dizaines, et encore, on compte les dames de la statistique là-dedans. Donc, et les ministères, oui, il y a des orthographes, donc ça, c'est en plus, il y a un problème d'articulation entre, qui a toujours existé, on va dire, pour faire vite, entre la statistique générale de la France et les différents bureaux statistiques des différents ministères. Donc, Le Goët est enchanté d'avoir une structure dans laquelle la coordination de ses travaux va pouvoir se faire et le relais avec les politiques, puisque la troisième classe assez importante, c'est les hommes politiques, les juristes et les publicistes, qui sont très importants en nombre. La troisième, celle qui est troisième dans ma liste, mais quatrième donc dans mon énoncé, c'est les statisticiens libres, démographes, médecins, hygiénistes. On les appelle libres parce qu'ils ne sont pas attachés à l'État, si vous voulez, ils ne sont pas des comités d'État. Et sinon, ils ont un rôle extrêmement important puisqu'ils représentent une discipline en plein essor qui s'est confondue pendant très longtemps avec la statistique, à savoir la démographie. Enfin, quelques logiciens et mathématiciens très peu nombreux, mais qui, à un certain moment, vont être importants. Et il y aura un échange là-dessus, justement, avec les probabilistes. Donc, la statistique apparaît comme, non pas l'objectif de cette société, mais un moyen de composer les forces et les besoins de cette société. Donc, ils mettent ces 4 groupes sociaux, ou 5 que j'ai identifiés. Donc, ben, je ne suis pas le seul à les avoir identifiés. Ils ont besoin, si vous voulez, de mettre ensemble leurs forces pour agir plus efficacement, pour développer à la fois la science et la politique de cette science. Les moyens d'intervention, je les avais déjà donnés tout à l'heure, je n'y reviens pas. Je continue sur la vie de la société. Grosse crise vers 1872. Premièrement, les attaques des statisticiens libres, personnellement exactement le docteur Lunier et le docteur Bertillon. La démission de Le Goët, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi. Une crise des effectifs importants, ça descend de 200 à moins de 100, 90 je crois. Un conflit sous-jacent entre administration et entre statistique administrative et statistique morale. C'est assez connu, Bernard-Pierre Lécuyer en avait fait plusieurs articles, et également Libius Weber en parle. Hein. Il y a un réel conflit sur la manière d'envisager ce qu'est la statistique pour ces deux groupes. Et enfin, la fin des congrès internationaux qui fait qu'il n'y a plus d'endroit pour discuter avec les étrangers. Donc, il n'y a plus de vie. La vie à la société est assez limitée. Donc, on a une crise assez importante à ce moment-là et un redémarrage dans les années 80, 82, 83, qui va être vraiment la demi-décennie du renouveau. Entre 82 et 88, on va avoir toute une série d'événements extrêmement importants. La première, c'est l'action de recrutement des présidents. Ils vont essayer de traiter ce problème. Les deux principaux qui vont être à l'origine de ce redressement des effectifs, c'est Daniel Wilson. Alors, qui était Daniel Wilson? Eh bien, c'est un statisticien. En fait, il est le neveu, non pardon, c'est dit dans les petites notes en dessous, il est le gendre de Jules Grévy, et c'est
aussi un des scandales de l'époque, c'est que ce Daniel Wilson va faire avancer beaucoup de dossiers à la SSP, mais aussi pour d'autres trafics d'influence, et en particulier des trafics de décoration, si ça vous rappelle quelque chose dans l'actualité. Ma foi, dites-vous que donc, ça n'est pas une nouveauté, ce qui nous arrive cet été. Toute ressemblance avec une affaire nous ayant fort occupé durant l'été est donc purement fortuite, dirait un statisticien. D'accord. Alors, 37 conférences à la Sorbonne et 15 auprès des officiers, création du Conseil supérieur de la statistique en 85, mise en place des enseignements de stats en fac de droit, 25e anniversaire de la SSP, festivité, volume spécial, voilà pourquoi l'année 1885 est vraiment centrale. Hein, et c'est l'année du redressement. Troisième et dernier élément, qui c'est toujours la suite de la vie de la société. Recensement, alors les contributions de la société, quelques points remarquables qu'on peut noter. Le recensement qui va inclure des questions sur la profession. L'invention, la mise en place du livret de famille, pour lequel la SSP a beaucoup agi. Et la participation aux expositions de Paris, Le Blé, Chausson, etc. Les expositions de, par exemple, 78, 89 et 900 et 1900, mais aussi d'autres à Bruxelles, Londres, Lyon, etc. Le 50e anniversaire en juillet 1909, qui est encore une occasion pour faire quoi ? La fête, comme d'habitude. 105 Français, 86 étrangers et 59 épouses. C'est une compétition aussi. Alain aurait dû essayer de faire ça tout à l'heure. Mais... et donc, champagne. Et couplage avec la 12e session de l'IIS, découverte en particulier dans cette session de la statistique biométrique anglaise. Donc, dans mes travaux antérieurs, j'avais daté la traversée de la Manche par le concept de corrélation en 1909. Publication des notes sur Paris qui représente un petit ouvrage un peu touristique. Premier conflit mondial, alors là on voit un événement important, c'est l'exclusion, la motion d'exclusion de mars 1915 que je vous lis, considérant que la Société de statistique de Paris ne peut rester en rapport de confraternité avec des personnes appartenant à des nations qui, dans leur guerre barbare contre la France et ses alliés, violent toutes les lois du droit, des gens et de la civilisation, décide de rayer les noms de ses membres titulaires, honoraires ou associés ou correspondants appartenant à ces nations. Donc là, il y a eu une baisse des effectifs, évidemment, suite à cette décision. Entre deux guerres, le prix Nobel de médecine à Richer et qui deviendra un personnage extrêmement important sur toutes les questions de dénatalité, avec un certain nombre de présidents qui sont présidents d'honneur, soit qu'ils aient adhéré, soit qu'ils aient été nommés directement présidents d'honneur, Poincaré, Doumé, Mitterrand, Léon Bourgeois, qui n'est pas président, mais président du Sénat, de même. En 22, enfin, la première instauration d'un enseignement de statistique qui est l'ISUP, avec Marche, Borel, Darmois et quelques autres. En 1934, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, la SGF est rattachée à la présidence du Conseil, on n'est plus au ministère du Commerce. Grosse croissance des effectifs, on arrive à 750 en 1935. Et parmi ces 750, 12 membres de l'Institut, 52 profs, il n'y avait pas du tout cette influence d'université auparavant, par exemple. 113 assureurs, vous voyez les assurances, 77 banquiers, 30 statisticiens, 50 actuaires. Peu de traces de la Seconde Guerre mondiale, dans les rapports, dans la historiographie que j'interroge, c'est-à-dire dans les textes que j'ai interrogés, mais gros changements de structure économique dans l'après-guerre, rôle de l'État changé, etc. Donc on va trouver effectivement les contenus du journal et des réunions, des différences formidables que je ne reprends pas tout ici. Cette chose illisible est une liste des présidents, donc je vous ai donné simplement les premiers, et je pense que ce n'est pas la peine de la consulter. L'évolution des effectifs, vous voyez cette stagnation, voire baisse des effectifs jusqu'en 1880, puis le redressement, la croissance, et les brèches, évidemment, correspondant à la guerre de 40. Par contre, à la guerre de 14-18, on a une petite baisse aussi, mais moins importante. La composition des membres, alors c'est sociologiquement intéressant. On trouve ça chez Depoix, dans le texte de Depoix. Donc vous voyez qu'elle est relativement stable entre 1909 et 1934. C'est les deux colonnes de chiffres qui sont en haut en pourcentage. Des évolutions entre ces deux dates assez faibles, mais quand même. Par exemple, les fonctionnaires, 26% en 1909, 7% en 34. Et puis, pour la suite, on peut interroger les trois colonnes suivantes de 49, 54 et 60, toujours avec la même source. Mais les découpages ne sont pas les mêmes, donc les comparaisons sont un peu difficiles. Et en plus, on est en effectif réel. Je
ne vais donc pas trop commenter ce tableau longtemps. La bibliothèque, c'est assez intéressant, j'en ai pas parlé encore, c'est de savoir que la SSP a donc maintenu, enrichi une bibliothèque extrêmement importante, mais qui a eu une histoire extrêmement mouvementée. En particulier, le fonds est riche, pourquoi ? Parce qu'il a profité de la situation des membres français au sein des administrations, des assemblées, du corps diplomatique, des grandes industries, mais aussi des échanges avec les institutions étrangères. Je pense qu'on en aura des exemples dans la journée. La bibliothèque a cependant connu donc l'histoire mouvementée, je l'ai dit, due en particulier à sa localisation. J'ai repéré ici dans les différents rapports la suite des endroits où elle s'est trouvée. C'est assez compliqué. École des sciences politiques, Société d'horticulture, Cercle national, retour encore à la Société d'horticulture, Ministère du Commerce, rue de Varennes, Hôtel des sociétés savantes. Enfin, on arrive à 1920, où il y a une donation à la faculté de droit. Là, il y a une certaine stabilité, mais avec beaucoup de conflits, parce que les intérêts de la société n'étaient pas toujours les intérêts de la bibliothèque de la fac de droit, on peut s'en douter. Et puis, il y a des incidents qui payent. Et enfin, un déménagement massif de cette salle à la fin des années 1990, je dis la date exactement. Donc, une partie de ces collections est perdue, une autre partie se trouve dans les sous-sols, donc de la maison des sciences économiques, boulevard de l'Hôpital, aujourd'hui. Les productions. Donc, maintenant, j'arrête de parler de la vie de la société, j'ai encore 10 minutes, je pense, je vais peut-être. J'arrête de parler de la vie de la société et je vais parler des productions. Ce qui me semblait intéressant de nos jours, c'est qu'une fois qu'on a calé à peu près ce qu'est cette société statistique, est-ce qu'elle a produit des choses intéressantes et est-ce qu'aujourd'hui, les historiens ou les statisticiens directement peuvent en tirer des choses qui les intéressent? Ma réponse est oui, énormément même. Je pense donc que le corpus de tout ce qu'a produit la SSP est trop peu connu et des historiens et des statisticiens. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à en parler de ce contenu? Pas dans les premiers textes dont j'ai fait référence, mais par contre Damiani et Kang sont les deux personnes qui en ont bien parlé. Alors Damiani, en 1989, a commencé une chose qu'il a malheureusement non terminée, c'est-à-dire de prendre les collections du journal et de les éplucher complètement pour dire ce qu'il y a dedans. Alors ces collections, remarquons premièrement qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, elles sont peu nombreuses, elles sont souvent incomplètes, que j'en ai repéré une demi-douzaine de à peu près complètes sur Paris, mais pas beaucoup plus. À l'IHP, il y en a une qui est à peu près complète, je crois. J'ai travaillé dessus. À l'INSEE aussi, à l'INED aussi, à Sainte-Geneviève aussi, à la Maison des sciences économiques, il manque déjà les 10 dernières années. Et je crois qu'il y a quelques autres endroits que j'ai oubliés, mais pas tant que ça. Il y a des tables, il y a trois tables. Malheureusement, les trois tables couvrent trois périodes, 60-1910, 1911-1935 et 1936-1960. Et c'est tout. Autrement dit, depuis 50 ans, nous n'avons aucune table du journal de la Société de Paris, ni même du journal de la Société française de statistique, qui va lui faire suite en 97-18. La numérisation. Aujourd'hui, un chercheur, un historien aussi bien que statisticien, si les documents ne sont pas numérisés, il faut qu'il aille dans les sous-sols, parce que ces chiffres ne sont jamais en libre-service dans les bibliothèques. Il faut aller donc dans les sous-sols, faire remonter volume par volume. Donc c'est la galère. Donc la numérisation devient une condition sine qua non d'une bonne recherche. Or, elle est totalement insuffisante et anarchique. Il y a trois initiatives incomplètes de numérisation. Gallica, volume 1, on s'est arrêté là. NUMDAM, on a fait les volumes 1 à 63, sauf, et il y a une liste ici de 15 volumes, donc vous voyez c'est, pourquoi c'est trou, j'en sais rien. Quant à Google, il y en a une partielle aussi, incomplète, et qui en plus, dans son titre, n'est absolument pas exprimé, puisque vous ne savez pas quel est le numéro qui a été numérisé sur le titre de l'objet, du fichier. Enfin, il y a des problèmes d'indexation de titres et de documents, bon, ça, je ne rentre pas dans le détail. Voici donc des documents numérisés. Premièrement à gauche, la première page du journal telle qu'elle était en 1860, et à droite, la première page de la première table. Voici ce qu'on trouve sur Internet, et quand je dis que c'est très mal renseigné, là, vous voyez journal en plein milieu de la page, journal de la Société statistique de Paris, volume, temps, d'accord, très bien. Index, très bien, et puis ensuite vous voyez, journal de la Société statistique, plus de numéros, plus rien, on ne sait pas quel est le numéro, et ça continue comme ça. Analyse thématique. Alors, puisque je dis qu'il y a des contenus intéressants, je me suis donc intéressé, et en gros c'est la dernière partie, je me suis intéressé à cette analyse des contenus donc des journaux. Qu'est-ce qui a été fait déjà sur ces contenus?
Donc j'ai repris un certain nombre de tableaux, mais qu'on ne va pas reprendre dans le détail, en 7 minutes qui doivent nous rester ou 6, ce n'est pas la peine. Simplement, remarquez que la chose est intéressante. Elle consiste à faire quoi? À repérer tout simplement par période. Donc j'ai gardé les périodes de Damiani, on ne va pas les recommencer, elles ne sont pas forcément exactement pertinentes. On coupe en 85, c'est pertinent, 1885. On coupe en 1910, c'est pas très pertinent, on aurait mieux coupé à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on coupe en 1960, c'est pas extrêmement pertinent à mon avis non plus, on aurait mieux coupé en 75 d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, les thèmes. Alors, évidemment, si j'avais un peu de temps, je ne l'ai pas, et je l'ai fait dans le texte, donc je vous inviterai à lire le texte qui sera publié à la suite de ces journées. Eh bien, on peut regarder comment évoluent période par période les contenus du journal. Tout simplement en regardant qui y intervient, si on connaît un peu ça aide, et quel type d'articles sont produits. En gros, trois grandes catégories, c'est la catégorie générale de statistiques administratives, où on parle de l'histoire, de l'organisation de la statistique administrative ou officielle, comme on disait à l'époque, on ne disait pas statistique administrative, on disait plutôt statistique officielle. Et là, vous trouvez les noms de Le Goït, ou Le Bois, je ne sais pas comment on le prononce, Levasseur, Chesson et de Fauville. De la démographie, avec de nouveau les mêmes, Le Goët par exemple, mais aussi les Bertillon, père et fils, on les voit déjà tous les deux ici, avec des questions de mesure de la durée de vie humaine. Et puis, enfin, une catégorie assez petite, qu'on peut appeler statistique morale ou statistique sociale, qui n'est pas de la démographie, et une autre qui est la statistique économique, qui est encore assez faible au début, bien que fondée par des économistes. On peut dire que la statistique économique ne domine pas dans la première période, elle dominera dans les autres. Et enfin, sur la théorie et la méthodologie, on est quand même un peu surpris de voir que la société de statistique ne connaît rien d'autre que les moyennes et les graphiques à cette époque-là. Il n'y a pas d'autres méthodes et les tableaux, dont je vous rappelle, ben ça m'a toujours plu, que le chef de la statistique générale de la France disait en 1847, pardon, la France se résume par un tableau de 775 mètres carrés. Il avait exactement fait la somme de tous les tableaux, de toutes les publications de la SGF. Alors, deuxième période 85-1910, en très gros, on voit l'explosion de la démographie. Liebisch Weber a fait un ou deux textes là-dessus tout à fait exemplaires, montrant que se joue dans cette période-là une conception de ce qu'est la démographie. Elle commence à prendre son autonomie, mais elle ne l'a pas encore, c'est-à-dire qu'elle a bien eu un premier colloque fondateur en 1878, mais elle est encore très présente à la SSP et elle va s'effacer tout doucement ensuite. Mais dans cette période-là, c'est central, et le thème central, c'est la dénatalité, c'est Jacques Bertillon, etc. Et Richer, dont j'ai parlé tout à l'heure. La statistique morale, c'est les derniers soubresauts de l'histoire de Kettler, avec Lottin, qui est le philosophe qui s'est intéressé à la théorie de l'homme moyen de Kettler. La statistique économique, elle tourne essentiellement dans cette période-là autour des tout premiers baromètres, mais plutôt autour des histoires de prix et de salaire. Et enfin, la théorie voit dans ces années apparaître la corrélation, les travaux de Lucien Marche en particulier, et d'ajustement, ceux de Lucien Marche et de Pareto. Troisième période, on va trouver dans cette période 1910-1935, là, une explosion, la démographie, donc c'est Sauvy, il n'y a plus que lui, c'est le dernier démographe important, enfin quasiment, hein, je schématise, dont l'optique est effectivement sur les questions de natalité aussi, mais encore plus sur la prévision, ses premiers articles sont sur la prévision démographique. La statistique morale, il n'y a plus que quelques médecins et Bellhomme, Maurice Bellhomme, qui est un leplésien. Sur la statistique économique, par contre, par explosion de la question des baromètres et des cycles que j'ai cité plusieurs fois déjà, et puis des banques et assurances aussi. Enfin, sur la théorie, eh bien, c'est Lucien Marche, évidemment, et René Risser, qui apparaît comme étant un des tout premiers, qui écrira un volume dans la collection de Borel, qui est le premier bouquin de statistiques mathématiques, on peut le dire, à peu près. Enfin, dernière période, 35-60, là c'est moi qui ai fait le tableau, Damiani n'avait pas fait, il s'était interrompu avant pour des raisons que j'ignore, et donc là on voit je caractérise globalement l'affaire, une explosion, il y a même deux pages, j'ai pas réussi à mettre tout dans un seul écran, une explosion des articles qui dans la liste n'est pas exhaustive, j'en prends à peu près que la moitié, je les prends pas tous. Et une explosion des dimensions, c'est-à-dire que la statistique n'est plus ni la démographie ni la statistique économique, c'est la discipline des grands nombres, des traitements des grands nombres par la méthode inférentielle. Et là, on est vraiment dans tous les domaines.
C'est-à-dire que les domaines aussi bien de la biostatistique apparaissent, avec Vandriès par exemple, des domaines nouveaux apparaissent comme la physique, elle est un peu en bas, et l'économie avec Allais et des gens comme ça, Divisia, Meuvray pour l'histoire, etc., etc. Bon, ça c'est la suite, donc je ne vous embête pas. Dernier point, je pense que plus de 2 minutes ou 3, c'est ça. Dernier élément de la bibliographie que je conseille à ceux qui veulent se plonger dans la réconduite de la SSP, c'est évidemment la plus riche, c'est la thèse de Zhen Kang, qui est donc un Chinois qui n'est plus en France actuellement, donc on n'a plus ses traces, et qui a fait une thèse avec François Furet sur l'histoire de la Société statistique de Paris en 1989. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dans cette thèse de 500 pages. Il y a évidemment déjà tout ce que j'ai raconté, plus d'autres choses, et je m'intéresse uniquement à ce travail sur la thématique. Qu'est-ce qu'il y a dans le JSSP ? Toujours la même question, oui. Et il se trouve que Kang a fait des tableaux tout à fait intéressants sur la thématique. Il a dépouillé 2500 articles, ce que je n'ai pas eu le temps de faire pour cette réunion, donc je m'appuie sur lui. Il a dépouillé 2500 articles en repérant évidemment l'auteur, en repérant évidemment les thématiques d'articles, en repérant l'année, bien sûr. Et il en a déduit un tableau de ce type-là qui me sert beaucoup quand on fait un exposé en histoire des statistiques et qu'on prétend que, par exemple, telle discipline a émergé à tel moment, il y a une vérification immédiate. Est-ce que, dans cette thèse, on voit l'évolution sur les 10 périodes? Alors, petit problème, vous le voyez, ça se finit en 1910. Donc, mon appel, c'est appel à des jeunes chercheurs, puisque ce n'est plus mon cas, je suis un peu vieux, appel à des jeunes chercheurs historiens de la statistique, continuer l'œuvre de Kang. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, excusez-moi, vous trouverez ça dans le texte. Il a fait également, je vais reprendre ce tableau rapidement, l'évolution des outils quantitatifs. Il y a parmi nous des statisticiens qui s'intéressent quand même aux outils de la statistique, beaucoup plus que... Et vous voyez sur les périodes jusqu'en 1910, il y a des choses visibles. Quand vous voyez par exemple qu'est-ce que j'avais repéré d'extrêmement visible, les graphiques qui passent de 1% à 18%, on peut dire que la méthode graphique décolle totalement. Ensuite, quand vous regardez les moyennes qui vont de 34% à 17%, c'est l'inverse, c'est-à-dire tous les discours sur les moyennes qui ont rempli le 19e siècle commencent à s'éteindre. Deux images pour finir et j'ai fini. Il s'agit Attendez, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Non, c'est pas grave. Voilà, donc deux images, une belle carte dans le premier numéro qui est une carte de la moralité relative du département. Alors, vous en tirez ce que vous voulez, c'est quoi la définition? Vous voyez que Paris est assez foncé, ce qui est normal, grande ville Paris-Marseille, mais vous voyez une petite frontière nord-sud qui a l'air de dire que... Bon, voilà. Et puis, moi, franchement, l'article que je préfère de tous, c'est celui-ci. C'est le seul graphique en couleur de toute la collection, je crois. C'est le premier baromètre de De Fauville. Ce baromètre de De Fauville, eh bien, il nous a aligné toute une série de choses que vous ne pouvez pas lire sur la gauche, qui sont des indicateurs de la vie économique ou de la vie démographique. Il y a eu un codage couleur qui fait que sur 10 ans, il a codé en rouge quand ça va bien et en noir quand ça va pas bien. Et il a observé à ce moment-là qu'il avait devant lui quelque chose qui pouvait se lire. Et ça, c'est le miracle de la statistique. Tout tableau peut se lire horizontalement ou verticalement. Et le lisant verticalement, on s'aperçoit que ce tableau confirme l'idée que la vie économique est cyclique. Mais elle confirme deuxièmement que toutes les bandes passent au rouge et au noir à peu près au même moment. Mais la deuxième idée, c'est que ce à peu près, il n'est pas vrai, bien sûr, mais c'est à peu près. Et donc, il y en a qui passent au noir avant les autres, et ça, c'est les indicateurs avancés, et ça, c'est un moyen de faire de la conjoncture. Et vous voyez que ça, c'est 1888, l'époque de l'histoire de la conjoncture économique, décolle dans les années 1910 avec la corrélation, elle explose dans les années 20, tous les pays européens vont se doter d'un bureau de conjoncture, et on en a l'origine ici. Mes conclusions, c'est le dernier. Une tâche urgente, je ne prends qu'un seul point, une tâche urgente, la numérisation de ces collections. En commençant par ce qui est très facile, numériser les 3 tables, ça n'est pas fait. Ce qui est un peu plus difficile, mettre de l'ordre dans les fichiers existants et construire une table de la période finale, 61-97. Poursuivre et achever la numérisation de la collection, publier les études, prenant pour corpus le JSSP, ainsi numérisé. Continuer de publier des choses comme Kang, et peut-être le numériser aussi, mais au moins publier. Voilà, donc c'est mes espoirs. Alors mes espoirs sont aussi que cette journée du 24 septembre fasse avancer notre connaissance et ouvre de nouvelles possibilités. Merci.